son petit frère. Il n'avait jamais vu la mer. Il créchait dans un taudis parmi les rats et les souris. Il étrangla son proprio et se laissa tomber de haut. Mais ce n'était qu'un petit bâtard fabriqué comme une vraie tare. C'était une saloperie ambulante qu'en avait marre de cette vie chiante. Les gens disaient qu'il était fou, car tous les soirs il rentrait sous. Il avait le cœur plein de rage. Il cherchait dans les poubelles le destin d'une vie plus belle. Son désir était de s'enculer, lui-même sans rien et sans payer. Il voulait être hermaphrodite, il fut bouffé par les moustiques. Il tua son petit frère, il n'avait jamais vu la mer. Il voulait être hermaphrodite, il fut bouffé par les moustiques. Mesdames et messieurs, Mathilde Lavallée. Merci beaucoup, hein? Merci. J'ai pas de mots. J'ai plus de mots. Que je les présente. Alors, Stéphane Tellier à la guitare. Le jeune, le très jeune, mais néanmoins excellent pianiste, Samuel Terrien. À la batterie, Maître Jet, Stéphane Jeté. Pour la première fois de ma vie, j'avais une choriste, la grande, Janie Provost. Le plus jeune de la formation, mesdames et messieurs, du haut de ses 73 ans, il a joué de l'accordéon sur l'album. Il m'a fait le grand plaisir d'arriver du Cap de la Madeleine, je pense, pour venir jouer avec nous, monsieur Gaston Nollet. Celui qui pensait être le plus jeune de la soirée,
Au saxophone et à l'harmonica, M. Louis Latraverse. Je vais en sauter un, je vais garder pour la fin. Au pied, au violon, à la guitare, à plein d'affaires, David Minier. Un gars qu'on se connaissait pas il y a un mois à peine, puis finalement, il est là. Et puis, un gars qui joue avec moi depuis très, très longtemps, celui qui me connaît le plus au monde en tant que chanteur, aux deux basses et à la contrebasse, M. Gilles Nault.